Et bonjour internautatrice et internautateur, ici Gaëlen pour les Jeux du Cygne. On se retrouve sur Gladius avec l'ami Éternel. Tout le monde. On a décidé que la partie précédente, elle était vraiment trop mal barrée. Donc on va Elle n'a pas recommencer. existé, il n'y a pas une partie Voilà, précédente. elle n'a pas existé, Voilà. vous la verrez, mais elle n'existera pas. Voilà, on va repartir. Moi, entre-temps, j'ai fait une partie solo. Donc, j'ai pu voir un peu comment est-ce que je pouvais envisager de me développer un peu autrement. On a changé un peu quelques paramètres. Donc, nous, on s'est mis en niveau normal, sans avantage ni inconvénient. Et puis, on a mis les IA adverses en équipe, toujours, mais avec seulement niveau 1. Et puis on a mis au niveau difficile, voilà, pour que tout soit niveau difficile, donc ça fait quand même du challenge. Une grande taille de carte et un peu plus de terre ferme, parce que moi j'étais complètement entouré de flotte, c'était un peu chiant. L'avantage de la grande carte, c'est que ça permet d'être un peu moins collé les uns aux autres. Hein, sur la partie précédente, j'étais collé aux orques, ça s'avérait être assez désastreux. Voilà, donc on va se dire que comme ça va mieux se passer. Donc je suis prêt et on peut relancer cette nouvelle partie. Alors, qu'est-ce qu'il me propose comme placement de départ? Ouf, recherche, recherche, recherche et recherche. D'accord. Ça manque un peu de variété, tout ça. Alors sur ma partie solo, j'ai découvert la touche, le raccourci CTRL W, qui Ah, spamme j'ai bien dit. la carte, mais qui permet quand même de voir ce que peut rapporter chaque carte, en partie ce J'ai qui est une particulièrement intéressant pour les portails. zone qui pourrait être terrible, mais j'ai pas de ton écran à proximité. Dommage. Donc là, on est tous les deux au nord. Elle ne sera pas terrible. Qu'est-ce que j'ai moi? Là-bas, c'est bien parce que j'ai un truc qui donne du minerai juste à côté. Ça, c'est une très bonne chose. J'ai fondé ici, de toute façon, je vois pas où est l'autre Ah, site. moi, j'ai pas le choix de là où je fonde, c'est ça qui est bien. Je vais prendre trop de retard, sinon. Pourquoi c'est déjà fondé par défaut, toi? Moi, c'est déjà fondé par défaut, ouais. J'ai pas le choix D'accord. de la ville. C'est bien ça, de l'électricité. Et alors, par contre, je vais être en galère d'influence rapidement. Bah moi j'ai que de la recherche autour de moi là. Ah ouais? Alors, C'est oui, t'es dans la glace. tous les spots apportent de Ouais. la recherche, j'ai un spot qui apporte un peu de minerai, c'est déjà ça, moi je vais être en galère d'énergie là. Faut que j'aille me chercher des Moi, choses. j'ai minerai énergie là où je suis. Alors, par quoi est-ce que je vais commencer? Je vais commencer par choper ça. Pour choper le plus 10% de prod. Le héros, de toute façon, il n'y a pas le choix. Puis tu m'as rien le Toc, toc, choix. toc. Ouais, ça met du temps à monter les héros, donc faut le faire rapidement. Alors. Et ben moi typiquement je vais pas commencer par les héros. Parce qu'ils sont tellement en carton Oui, que. toi les tiens, oui, mais moi mon premier lord il est quand même sacrément costaud donc. Oh. Des petits frelons des speed. Ah, par contre ça c'est de l'influence et ça c'est bien l'influence. Est-ce que je tire sur les frelons des speed? Ouais. Et donc en recherche, je vais commencer par la fonderie obscure, qui me permettra de faire des motos. Et les motos, elles sont bains. Et allez, il y a du frelon partout. Et des minerais, oui. Ça bouge à une vitesse, ces trucs.
Boum, ça c'est fait. Tac. Fais-moi ça. J'ai plein de petits frelons pour toi. Moi, je les vais fuir. Du coup, je vais pouvoir régène. Ouais. toi aussi. Quand même, les unités. Ton car, ils sont vraiment, vraiment fragiles. C'est une elfe, hein. Et ouais. T'es à quoi? T'es à 12 sur 12? Pourquoi est-ce que tu me encore régène alors que t'es à 12 sur 12? Bon, l'avantage c'est que on sait que entre nous deux il n'y aura personne. Ouais, juste pouvoir faire le. Normalement, non. Enfin, ce serait bien qu'il y ait personne, parce que sinon, la répartition est vraiment à chier. Oui. André Obscur. Hop. Ok, je la ferai au prochain tour. Fondre obscur, ok. Et puis... Cette capacité fin d'âme, j'arrive pas trop à voir comment ça fonctionne. Tu gagnes 3 points d'influence par niveau d'unité que tu tues, je crois que c'est ça. Ouais, mais bon, c'est... Donc en fait c'est une capacité que tu peux améliorer énormément. Mais c'est pas très très clair sur comment ça se passe. Ce que je fais. Bon, je vais pas les attaquer. T'as pas intérêt à te coller à eux pour tirer? Si si mais le problème c'est que je voyais pas ce qu'il y avait derrière donc D'accord. Hello, back online. Je suis encore à côté plein de flotte, hein. J'ai un grand grand lac. Par là. Non. Saleté, 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 saleté. Putain, ça fait mal. Les herbes là. Oh putain, il s'est foutu juste au mauvais endroit, quoi. Juste au mauvais endroit. Ça, c'est bon, c'est le bordel, là. Bien, je peux recruter. Tac. Ça, pour pouvoir lancer mes prods. Ensuite, je ferai ça. Un castellan! Non! En Qui état dit qu'il a découvert le d'alerte! castellan? En Et état hop! d'alerte! Putain! Au revoir les cabalites! Putain! Mais chier! Au revoir les cabalites! A plus cabalite!
Ah, moi j'ai découvert des esclavagistes, mais c'est moins bien. Alors, ce qui est bien, c'est... Non. Ah si, t'as survécu! Ouh! Bah, en fait, ce qui est bien, c'est qu'il a reculé. Oui, du coup il a tiré moins fort. Du coup, il a tiré beaucoup moins fort. Oh putain, je peux pas finir les... Ah si, je peux les finir. Alors, on va prendre le repère des cages. Bon, ils se sont barrés, c'est con, on va Plus de remonter. population. Allez, bouge-les, tes saloperies de cultistes là. Voilà. Ils vont faire mal quand même. Ils font très très mal quand même. Ah oui. Qui va te retrouver sans unité au... au T11? Je vois pas de quoi tu parles. Ah putain, si j'avais attendu 2 tours, j'avais un spot qui était bien meilleur là. Tant pis. J'avais un spot full influence. Ah, la recherche, c'est bien aussi, hein, mais... Oui, mais bon. Que de la recherche, c'est pas fou quoi. Allez, survie, survie, survie. Il a survécu. Un HP. Cassos. Ça n'arrive pas que à l'IA. Hop. J'ai une grosse forêt, moi, maintenant. Chacun son tour. C'est celle qui est entre nous deux? Ouais. Ça, je m'en fous un peu. Ah, Ça, et je m'en fous. t'as un truc à capturer là, qui donne... je sais pas, j'arrive pas à le sélectionner. Le pâturage? Voilà. Oui, mais... Bah, j'avais décidé de remonter pour chasser les Vespides qui m'emmerdaient. Tu serais pas en train de péter mes... C'est quoi? Comment mes... Ah, portail vers la toile potentiel, toi. Bah si, mais ceux-là ils sont deux juste à côté de ma base, tu vas pas venir Oui, je t'installer. sais, mais bon, bah, qui sait? Ça me fait de... Moi ça me fait de l'XP donc. Ça te fait d'XP. J'ai pas mal d'herbes à brûler aussi. Il est pas mouru! Il est pas mouru! Il est pas mouru! Bah, Gorégène, toi. Son état. Bon, bah, c'est bon. Mes tours durent 0 secondes. Puisque j'ai. J'en ai. Mes deux unités sont en train de régène. Mais j'en ai récupéré une troisième. La chair est faible. Ouais. Ah, oh, putain. Hop. Allez, on réinvoque. Ah merde, il y a encore la bouffe. Ah putain, il déclenche pas le... Ah non, c'est moi qui l'ai désactivé, couillon. Pour pas tirer sur les bestioles, et du coup... Bah, je tire pas sur les bestioles. Wouhaha! Crève, cultiste de chaos de mes deux. Cette haine anti-chaotique, je trouve ça... Ouais. Limite déplacée. Non mais c'est très bien, il est passé par les herbes barbelées. Du coup, ça l'a Ah, d'accord. endommagé. Moi, ça m'arrange. Allez, T3. On va faire de la barge d'annihilation, ça au moins je sais que ça sert à quelque chose.
T'es déjà en T3 du coup en recherche. Ah ouais. En train de rechercher le T3. Ah bah oui, mais Hey. j'ai une ruine de vol en plus, donc oui, ça chiffre un peu là. Quand je viens de faire ma première recherche T2 quoi. Ah oui, Croix la j'ai loyauté. deux ruines de hall du coup. Ouais. Je vais accroître la loyauté, je vais en avoir besoin. Tac. Oh, debout. Hop. Allez, demi-tour. Ils sont rapides tes tours à toi aussi. Ah oui, mais je le tape sur du V-Speed. S'amuse comme on peut. Je fais comme on peut. Surtout Bien, que eux, ils me laissent pas trop le choix. il est full. Ah oh, putain, il s'est barré à perpète, fait chier. Lui, il s'en fout de la forêt. Hop, j'arrive au vide. Alors, j'ai besoin de bouffe. Et j'aurai besoin rapidement de... Alors, je construis quoi en premier? Le cryptech? Ouais, non, le Lord. Bon, tu m'iras, je peux construire les deux. Ah non, j'ai pas assez d'énergie. J'ai assez d'influence, mais pas assez d'énergie. Bim! Ah, des asservisseurs. Je peux pas. Pas du tout traumatisé. Du coup, t'avais laissé des orques aussi, j'ai pas fait Non, gaffe. non, on est sur du chaos. Ah. Sur des guerriers du chaos. Space Marine du chaos. On n'est pas sur AOS. Hop, allez, déjà quand on les envoie deux par deux, c'est souvent un peu meilleur. Sur 12, il sera full au prochain tour. J'ai presque envie de tout rechercher quoi. Il faut savoir se restreindre. C'est ça. C'est trop dur. Autant au T2 et au T1. Merci. Ouf. Dans le T3. Merci de t'être collé à moi. Ah putain, il y en a un deuxième qui a débarqué. Lui va Alors, être un peu moins frais. Ah non, c'est pas des castellans. C'est des amboules. tac, tac, tac. C'est un peu vite. Tac. Faut que j'arrête parce que j'ai plus d'énergie. Alors, hop, une autre petite moto. Ah putain, ils sont deux! Bah oui, bah ça tombe bien, toi aussi, t'es deux. Il y en a un qui se bat en plus. La machine est forte, la chair ne l'est plus. Alors, T3, 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 T3. Pénétration normale, dégâts des unités d'infanterie lorsqu'elles débarquent d'un transport. Transport d'assaut polyvalent. Celui-là, bon, je ne l'ai pas testé en solo. Nombreuses unités, c'est pas de. Faire du transport de masse. Je l'ai pas testé. Je vais faire le bâtiment qui axe croix.
La loyauté, c'est indispensable. Ah, des chiens croûtent. Ouais, et les chiens, ils vont pas vivre longtemps. Ah, c'est mieux. En fait, les motos sont moins efficaces quand elles se sont déplacées. Ouais, c'est du lourd. C'est du. Non, c'est une histoire de. Ouais, divise par deux Ah, les sale. attaques. Voilà, D'accord, c'est ok. sale. Par contre, double les attaques à mi-distance. Ouais, et puis t'en as un qui fait tir rapide et l'autre D'accord, oui, donc qui il est fait sale. efficace dans les deux cas. Donc il faut vraiment être. Si t'es Ah stationnaire. oui, pardon, excuse-moi. Pause, j'ai un livreur qui vient d'arriver. Ok. Bon, je continue d'expliquer pour l'enregistrement. Voilà, donc les Venoms, hein, si on n'a pas bougé, si on est au cac, c'est souvent très efficace. Bon, donc là, on a vu qu'il y avait un gros, donc on va éviter d'aller chasser le gros. On va aller plutôt vers le sud. Bon, il y a un petit Umbra là. Ça fait quoi ça? Ça fait corps à corps. Ouais. On va laisser les tirs. Si jamais ils se collent. Avec deux unités, j'arriverai peut-être à le faire. Je vais mettre en pause le temps qu'éternel. Ah, C'est bon. bah il est là. J'ai Alors. découvert Noombra. Oui, j'ai vu ça. Ça me le met. Ah, même deux Umbras. Là, c'est bien parce que à droite, j'ai des robots castellans. Au sud, j'ai des Umbras. Tout va bien. Et là, j'ai des asservisseurs. L'asservisseur, je vais peut-être le défoncer. Hop. Attends 2 secondes. Hop, je vais faire ça et je vais faire ça. Comme ça, si jamais il vient se coller à moi, hop, je vais le poke. Et ensuite, je vais le laisser venir. Qu'est-ce que je vais faire par là? Je vais faire ça, je vais faire ça. Alors, je vais commencer à regarder qu'est-ce que je peux aller chercher comme portail. Alors, là j'ai de l'influence, ça serait bien. J'ai pas beaucoup de bouffe. Ah si, là, ah si, j'ai du plus 1% ici. Et comme j'aurai le niveau 3, j'aurai cette zone-là en plus. Oh Heureux. si. Donc. Là, j'ai peut-être un emplacement qui est pas mal pour une ville. Hop. Putain. Et on laisse 1 HP. 0,4 HP. 0,4, c'est mieux que 1. Encore plus humiliant. Bon, les Hamboules par contre, à casser. Order Cities. Non, toujours pas. Pas voulu se coller. Voilà, très bien.
La vache. Et 5 frelons V-Speed, dont 2 niveau 6. Ah oui, jolie la colonie. Ouais, comment dire. Chérie, ça va piquer. Et puis, autre avantage du Venom, donc la moto là, c'est que comme il y a un seul modèle, et ben même si c'est à 0 oui, PV, pas d'efficacité. Y a pas, tu perds pas d'efficacité. Ah si, il y a 0 PV si tu perds un. Oui, enfin 1 PV, tu perds pas d'efficacité. Ne sois pas désagréable. Et je le laisse à. À. 0,3 PV, qui dit mieux. Ah, joli. Ah putain, je viens de construire mon bâtiment, je suis quand même à plus zéro. Je vais le mettre là, et puis je vais faire passer l'outil. Toi, par contre, mon petit lapin. J'ai longtemps que tu m'as pas appelé comme ça. C'est pour les moments très spéciaux. C'est ça. Donc la bouffe ça remonte. Je vais faire un autre truc de bouffe. Lui je suis quand même pas sûr d'arriver à le conserver. Son niveau 6 là. Et tchitchat. Ah putain, je fais que 0,9. Ouais, c'est vraiment. Ah putain, mais. Bon. J'ai perdu ma première unité. Et c'est pas fini! Il y en aura d'autres. Bon, guerrier Nécron, le seigneur Nécron. Il est là, il est beau. Et il va aller faire des courses. Ah bon? J'ai de l'influence autant qu'elle serve. Tiens, on va te planquer dans la. C'est un autre gros intérêt des motos, c'est que tu peux planquer des unités dedans. Oui, c'est du transport. C'est du transport. Donc, je vais le laisser se coller. Allez, on attaque le T4. Ah putain, j'affiche. Comment ça se fait? Ah, c'est que lui, eux, ils sont protégés par la forêt. Est-ce qu'il risque de se coller à moi ou est-ce qu'il va mettre les trois dessus là. Géré Beauville, hop, encore une moto. Boum boum. Je suis en déj de ressources moi, c'est. Ça coûte combien? Ça coûte 15. C'est la misère d'être dans le coin. Ça. Plus de minéraux. Ouais. Bingo. Oh putain, ça fait mal. Ça fait mal, bordel. Non, ne me tue pas. Non, tu ne m'as pas tué. Thank you.
Allez, termine-moi ça, c'est bon. Toi, va te planquer là-dedans. Et en plus, quand les unités sont dans la dans les motos, elles régènent. Et même peut-être qu'elles pexent. J'aurais pu vérifier. Il est possible qu'elles pexent. Ah zut. Prochain tour. Tu t'en sors comment, Tom? Oh nickel, ça va. Tu vas prendre le projecteur mobile. Oui, j'aurais bien aimé terminer le l'enslaver, mais il a disparu donc. Alors ça, on va le prendre. On fait la frontière à la rivière. On peut. Je laisse le. Il y a Oui, Il y a un campement un et un truc en haut, portail ouais. un peu plus haut. Bon, Bah, je te si laisse. tu veux les prendre, si t'es dans le Oh, coin, j'ai commencé à redescendre, t'as donc il commencé à faudra que je redescendre. refasse tout le tour pour remonter. Ok, moi j'enverrai une moto. Allez, et on achète l'item à plus 8 de d'influence. Hop, maintenant. 180 d'influence claquée. Non, 160. 160. Mais bon, en début de partie. Pour l'instant, j'ai les moyens. Allez, on est reparti là-dessus. Est-ce que les portails sur lesquels je suis à l'ouest t'intéressent ou pas là? Ou est-ce que je peux les péter aussi? Non, c'est vrai. Le truc, c'est que si toi tu les prends pas, je préfère les péter pour éviter que ce soit l'Eldar qui les prenne. Oui, parce qu'il y a des Eldar. Bon, sinon, je peux les prendre. Ça ne me coûte que 10. Bon, le truc, c'est que je génère 7 d'influence par tour pour l'instant. Non, mais au pire, je t'en laisse un. Là, il y a le Gélit. Je sais pas ce que c'est. Il a quoi comme ressources? Ça reste recherche et minerai, là, dans le coin. Ouais, ressources, j'en manque pas, donc. T'as bien de la chance. Non, mais recherche. Non, je veux dire recherche, pardon. Parce que j'ai, en fait, j'ai deux portails qui sont. Trois portails qui sont sur la glace aussi. Au, D'accord. no au nord, bah justement, juste Oui. après, juste au-dessus de la rivière, là. J'ai vu, ouais. Non, mais vas-y, tu peux les péter. Tu peux Ok, les péter. c'est parti. Oh, il faut que je fasse ça moi aussi. La reine du culte, plus de loyauté. Pas assez de Ah minerai. ben là je vais pas y aller parce qu'il faut que je passe par les barbelés donc on va éviter. Et Ça. encore une ruine de vol, putain. Aucune enchère. Ah ouais, en fait, ce qui est bien, c'est lequel? Est-ce que je l'ai vu? Ah, c'est sympa, j'ai une zone avec aucun bonus. Assaut des raiders, Ouais, augmente les. Non, c'est pas ça. Et. mais putain, c'est encore de la Après. glace là. J'ai une énorme couche de glace là pour m'établir, c'est pas fou. Ah oui, c'est ça, c'est augmente le taux de guérison des unités d'infanterie embarquées dans les transports. Ça, c'est cool. Tout m'étonne. Bon, on va se faire. Je vais pas me faire tout de suite une deuxième ville. Par Ah, contre. moi il va falloir parce que c'est tellement la dèche en termes de ressources là que. Bah, moi, en fait, j'ai une ville qui est assez équilibrée pour commencer. Donc, Bah oui, tu m'étonnes. Moi j'ai de la recherche et un spot ouais. qui booste un peu le Moi, minerai. j'ai un peu de tout, donc c'est pas. Et sur ce spot-là, je pouvais construire que deux villes.
je peux construire que deux emplacements. Enfin, je le nettoie pour pouvoir en construire un troisième. Non, je vais faire ça. Faisons tous les trucs indispensables tout de suite. Il y a du barbelé partout. Ouf, il y a du monde. Toi, t'es mort. Débarquement ici, mais je vais pas attaquer. Et un petit débarquement. Là. Et là, pour le coup, je vais attaquer l'Umbra. L'Umbra servisseur. Aïe. Je sais pas si c'est une bonne idée, ça. Bien. Toi, tu n'attaques pas. Ah merde, il m'attaque lui. Pas de bol. Ouf, ça fait mal. Bah, qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait là, le petit niveau 3? Il avait envie de mourir jeune. Hop. Genre état d'alerte. Oh, fais chier. Par contre, je vois une unité qui arrive seulement à Mocher, juste à côté de chez moi. Oh, je vois du jaune. Je vois du jaune. Pas loin. Jaune, jaune, c'est le chaos. C'est le chaos jaune. Bon. Tu les vois où? Tac. Je sais pas si tu Ah oui, vois. c'est près d'un portail, d'accord. Oui, C'est près le d'un portail, je les portail. vois pas. Oui. Ah oui. Eh oui. Donc c'est même là en fait qu'il est. Et toi, tu vas te replanquer. Ah oui, effectivement. Il est aussi loin que ça, lui. La vache. Bon, ok. Donc c'est en effet le chaos. Alors, t'as dit que j'allais... Hop, ça, je peux les choper. Bon, je vais pas aller me combattre le chaos dans l'immédiat. Forcément. Et il reste de PV. Tac. Ah ouais, du coup je peux le renvoyer à la maison aussi. Ah non, parce que ça consomme une action. Par contre, lui, je peux imaginer le renvoyer à la maison. Hop.
qui lui permettra de régène. Ok. On a dit qu'on était en galère de minerai. Ça coûte 30 à chaque fois. Je vais me calmer sur les motos. Putain, mais comment ça va super loin ces saloperies? Ah, les scorpions, c'est ouf, quoi. Oh, merde. Aïe, aïe. Première unité perdue. Deuxième. Non. Pas mouru. Ah, pas toi. Encore là. Oh, fais chier, j'avais pas prévu qu'il irait si loin. Ça a combien de mouvements, ces trucs? 6. Le problème, c'est que là, pour arriver à sortir de là, ça va être chiant. Bon, ça va faire que dalle comme dégâts. Bon, merde zout. J'avais dit que j'avais besoin de trucs pour augmenter la population. Ah, ville des Eldari, des vaisseaux m'ont découvert. Là, il y a un Eldar. Au sud. Je vois toujours. Oui, d'accord. Okay. C'est sur. Ouais. C'est loin. C'est loin. Parfait, mes guerriers Nécron. Tête de catachon. Ouf! T'as de merde! Ça fait mal! Et ça commence à être lourd dans le 0,3 HP là. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Putain, c'est méchant les diables de Catachan quand même. Hein. Je me souvenais pas que ça faisait si mal. Ça peut tomber bien comme il faut, mais ça peut aussi faire très très bobo. Je me souvenais pas que ça faisait si mal que ça. Là, il est pas exclu que je perde carrément 2 unités au prochain tour. Et c'est pas cool. Non. Toi, tu vas te casser. Et toi, tu vas pas ici. Ouais, bah, tu fais le truc tout au nord. Je pense que je vais le laisser tranquille un certain temps, en fait. Hein. Ah bon? Ouais. Je fais des cadeaux, il en veut même pas. Quoi. Ouais, je pense qu'en effet, je vais. Donc, ce serait bien que je puisse construire mon bâtiment pour les véhicules, moi. 50 d'énergie. Je vais le regarder de loin avec envie, mais de loin. Ouais, bon, j'ai perdu ma première unité. Ouais. Je connais bien. C'était prévu. J'aurais été un peu gourmand, le humble niveau 4 m'a piqué un peu les fesses. Ah ouais? Bah, disons que c'est le fait qu'ils étaient 3 surtout qui m'a piqué un peu les fesses. Oui. Bon, on va essayer de nettoyer par là.
Ça fait quoi? Ça fait des dégâts en plus. Bien des dégâts en plus. Est-ce que je vous lâche là? Oh, c'est bien ça, le Manslayer, l'asservisseur là qui me regarde, enfin que j'attaque et qui lui ne m'attaque pas en retour. Bah, moi j'en ai un que j'ai pas attaqué mais qui m'attaque en retour quand même. Hein. Mais bah, On va y ok, donc remédier. Hein. je peux construire une deuxième ville, mais j'ai pas assez de métaux. Alors, est-ce que je fais mon fifou? Ouais, allez. Là même, ça suffira. Hop. Bim. Plus d'asservisseurs. Naméo. Toi, tu ne vas pas attaquer. Et toi, bah, tu vas régénérer. Hein. Qu'est-ce que je te dis? Alors, il me faut plus d'emplacement. Ah, que l'Ombra va peut-être content si. Oh bah non, il me fout la paix. Ah si, il me fout pas la paix. À bobo. On va se concentrer sur un adversaire. Je sais pas pourquoi, parfois tu regagnes un peu de vie. C'est l'effet de tuiles, j'imagine. Non, je j'ai jamais trop compris. Toi, on va pas te laisser régène. Et toi, tu vas te rapprocher du combat. Bon, si les chiens me laissent tranquille, et ils me laissent tranquille, c'est une très bonne chose. Mon petit Unslaver, t'es pas parti assez loin là. Alors par contre, vous attaquez à mon Lord, c'est un peu plus couillu là quand même, parce qu'il est un peu plus burné. Sévèrement burné. Ça y est, j'ai mon Cryptek. Alors, Cryptek, il a quoi? J'ai toujours pas un seul Protection héros, moi. morale, on s'en fout. Damage reduction, on s'en fout. Par contre, heal, ça c'est bien. L'orbe de résurrection. Donc, on a dit. Toi, tu vas tuer le vilain Slaver. Et toi. Ah putain, t'es trop loin, chier. Allez, on va continuer. Le pousser.
Ah ouais, je les one shot les chiens là. Ok. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je one shot les chiens sachant qu'il y en a deux autres à côté? C'est peut-être pas une bonne idée. Ah! Oui. Y a un spot qui m'intéresse là, à côté. Où ça? Celui-là, là. Alors, eh ben, enjoy. Parce qu'il y a plein de minerais et un petit peu d'énergie. Et que c'est exactement ce que je cherche. Enjoy. J'arrive pas à en trouver un correct. Donc... Tiens! Des Vespides qui se rapprochent de ma cité, quelle drôle d'idée. Bien, et puis je propose qu'on arrête l'épisode là. Marche. Hop. Tac. Bon, j'écrase la sauvegarde d'avant, du coup. Ok. Ben on espère que ce troisième épisode de mes deux premiers d'une nouvelle série, enfin d'une nouvelle partie vous plaît. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire. On se retrouve assez vite pour un nouvel, enfin, la suite de cette partie qui démarre quand même un peu mieux que la précédente. Donc au moins on a pu se développer. C'est pas encore fifou, mais on a pu se développer sans se retrouver en permanence sous Pour l'instant, pression. on n'a pas encore perdu trop d'unités. Voilà, on n'a pas perdu trop d'unités, je n'en ai perdu que deux, ce qui est quand même exceptionnel. On vous fait des bisous et on vous dit à bientôt. À bientôt, Ciao, ciao! bisous.